nous connaissons, mais c'est un avocat. Bon, M. Zahir César a déjà parlé, il n'est pas dans le pays. Avant dire, puisque nous pas dans le pays, et nous connaissons que les journalistes, nous-mêmes comme journalistes, tout le monde comme journaliste, nous gagnons un droit pour nous informer et former la population, pour nous distraire tout. Parce que je n'ai pas oublié la première profession depuis 2003, c'est le premier diplôme que j'ai décroché dans la vie, dans le journalisme, dans la profession. Je comprends très mal comment un journaliste exerce sa fonction pour subir la persécution. Je comprends très mal comment un journaliste pour opinion la permettre, la subir la persécution. Puisque le journaliste va dans le pays, hein, et c'est un report que nous demandons pour lui. Et lui demande pour que l'aile dans le pays, si vous voulez entendre, il peut entendre. Mais écoutez, monsieur, nous comprenons que il y a trop de scandales dans le pays. Pour le problème pays, ça a là, je dis à monsieur, pour ces journalistes que nous avons persécuté. Monsieur, nous n'avons pas à manger, nous n'avons pas à boire, nous n'avons pas à marcher, sécurité. Journalistes ont assassiné, policiers ont assassiné. On nous esclaves la caillou ou prisonniers la caillou ou ces journalistes pour mettre veillé dans l'exercice de fonction pour persécuter. Mais Calogne Jean-Baptiste, même en tant qu'avocat qui fait partie de justice là, d'après vous, côté pouvoir commissaire la France sorti malgré pas certifié et ne pas convoquer les journalistes pour le justice. Je profite de nous, gagnons espoir pour la justice. On espoir pour qui ça? Gagné magistrat Paul Héron Zila, qui est directeur cabinet ministre de justice là. Même tout le monde est bon, si le tout ministre de justice est bon, tout ce qui a fait là, il est comme si chaque fois que tu as battu le baron nègre là, il est comme si chaque fois que tu as le volet carré là, le volet terre, c'est parce qu'il connaît magistrat Paul Héron Zila, pas d'accord ça. Nous changeons de démissionner dans le paquet là, et le compétent, il était lauréat dans l'école magistrat. Nous connaissons pas le nègre frère. Tout le pays a connu, monsieur, son nez qui connaît. Ou après que, actuellement, là, tout, ou après qu'on quantité de dossiers, chaque commissaire qui a fait chaque mois. C'est pas ministre. Comme le chef cabinet ministre, le ministre de la police, pas de jambalé. Il est pris pour aujourd'hui là comme ministre, comme chef cabinet, il va commencer à marcher. C'est pour ça que j'ai espoir toujours que commissaire, monsieur Jacques Lafoutin, très bientôt, action ça va la poser, il va le camper sur eux. Il va le camper sur eux parce que il y a des gens crédibles qui sont dans le ministère, j'aime dire nous, par exemple, Marcia Paul-Léon Zila. Il y a un commissaire, personne sérieux, dans qui pays sérieux. Rappelez-nous bien, tu es un ministre, avant de le révoquer, il a une lettre de mise en disponibilité avec le commissaire Jacques Lafont. On mise en disponibilité, je ne vais pas dire révoquer. Parce que pour le révoquer, il faut le aval, pour que le Premier ministre te signe là-dedans. Ça, c'est la loi. Parce que, il était parlé de mise en disponibilité. En parlant de sous qui motif, il était parlé de corruption, il était trop plainte, le ministre était très smetri pour monsieur, qui est commissaire, à l'époque, qui était commissaire Jacques Lafontan. Il était dit, c'est pour ça, il était vraiment. Corruption et chéta ont été pour te plaindre. Lui-même, il te mettait la disponibilité pour bagaille ça. Et puis, là, ça, si c'est justice n'a fait, ou équipe l'autre avocat, ou équipe l'autre magistrat, qui sorti dans l'école magistrature, qui bien formé, qui compétent, qui bagaille suspicion de corruption sous dos, en remplacer, qui l'autre substitut-là, mettons AIM ou bien mettons l'autre, remplacer pour justice là, pour créer confiance dans justice là. Malheureusement, tout effort que nous faisons, nous te dénoncer, ça va empêcher que vous avez jusqu'à date. CSPJ, qui c'est vraiment le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, donc c'est la plus haute instance judiciaire. Non, quand c'est un magistrat qui n'est pas certifié, le magistrat Jacques Lafoto, c'est un autre qui n'est pas certifié. Mes amis, rends-moi fou ou sage. Si on ne va pas certifier, nous disons faire justice. Et on t'aide à dire maintenant la disponibilité ce soir. Quel problème qui est pour ne pas certifier? Je parle de intégrité morale. Et t'aide à une suspicion de corruption d'après mini-justice Beto Dossé. Pour nous quitter là toujours. Et commissaire lui-même,
monsieur, faut que pas moi même je me dis bagaille que tout monde a souvenir dans pays, il y a des petits gros défauts me gain, si son défaut, mais pour moi moi son qualité, tout monde garde ça. L'aime dit pas faut bagaille me faire. Commissaire dit dans une radio seul t'a intervenir. Il t'a intervenu avec un pile à aucance et merci mais que ce manque de respect pour la presse et Jean t'a fait là. Et me estimer que en tant que un monde qui dans la justice, qu'un chef poursuite, il t'a manqué calme. L'idée dit que depuis maintenant dans rapport qui va certifier rapport pour même sortir non la première tête li là bay la justice mais non là dedans pour ça pas remettre tête Jean te dit côte pas ou pas parole d'honneur ou te dit depuis maintenant ou après mettre tête tout pour entendre bon non là dedans vraiment ou pas remettre tête là nous demander à qui ça nous prend là et moi vraiment comprend pas comprendre ça qui va passer là. Moi vraiment demander est-ce que sous Jean-Claude Duvalier tu connais un journaliste qui a parlé tu connais tout le monde qui a parlé pas qu'on gagne toute persécution ça qu'on a où a convoqué journaliste yo convoqué journaliste a parlé pour opinion yo convoqué plusieurs journalistes parce que yo pas monsieur yo pas mettre fraction non parce que nous yo mettre fraction oh manque de professionnalisme ça pour infraction monsieur quand pénal là dit qui ça qui fraction l'on convoque nous dit mais pour qui ça mais qui fraction pour mettre mais qui ça code pénal là dit de ça nous comprenons très mal et n'a pas demandé à commissaire jusqu'à date qui là voyez parce que moi-même honnêtement moi était depuis l'heure de mise en disponibilité ce chose là pas considéré et pas considéré comme commissaire mais puisque c'est lui qui l'a toujours ils sont commissaire de fait même pas dit droit nous parler de fait m'a demandé lui ressaisir lui. Parce que sauf aujourd'hui, la poursuivre de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que créons l'histoire par Gégor. Il faut courager avec sérénité en tant que responsable dans l'État. Il faut courager en tant que sérénité en tant que chef de la poursuite. Ou pas qu'à persécuter les gens, ou pas qu'à occuper les gens, qu'à persécuter qui les gens encore? Des journalistes qui ont exercé fonction. Ce n'est pas possible.